Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sous la canopée, ici Monsieur Green. En janvier 2019, j'entrais en contact avec le collectif Hors de Question. Pour rappel, un projet d'extraction aurifère prévu en Guyane, appelé la Montagne d'Or. À ce projet, une contestation sans précédent a vu le jour. Depuis 2016, le collectif se bat pour faire respecter les droits du vivant, de la nature et des habitants qui va dans le sens des accords de Paris. Tout type d'extraction aujourd'hui met un peu plus en péril la fragilité de nos écosystèmes dont nous dépendons sans aucun nul doute. Au cours de cette année, de nombreux rebondissements ont eu lieu par divers effets d'annonce déclenchés par l'amplification médiatique de ce projet, obligeant des prises de position de la part de l'État. Mais où en sommes-nous exactement? Récemment, Rodolphe Alexandre, président de l'Assemblée de Guyane, a rejeté le projet à l'ONU. Quel état des lieux peut-on dresser sur la situation en Guyane? Pour répondre à mes questions, nous recevons aujourd'hui Claire Albanesi, une porte-parole du collectif Hors de Question. Bonjour Claire, bienvenue sous la canopée, peux-tu brièvement te présenter? Bonjour Monsieur Green, je suis Claire Albanesi, membre du collectif Hors de Question depuis bientôt 3 ans. Je suis aussi une militante pour le climat et pour la biodiversité puisque il y a urgence. Et j'estime nécessaire de m'engager pour la protection du vivant et pour pouvoir nous donner quelques perspectives de vie au-delà des quelques décennies qui arrivent. Rappelle-nous l'origine du collectif. Le collectif Hors de Question est né pour s'opposer au méga-projet minier de la Montagne d'Or, qui est situé en Guyane, dans l'ouest guyanais, qui est donc une partie de la forêt amazonienne dont on parle tant depuis quelques mois. Ce projet, il est situé en amont de la Mana, qui est un fleuve, et entre 2 réserves biologiques intégrales. Il faut savoir que personne n'est autorisé à mettre un pied dans une réserve biologique intégrale. Et pourtant, c'est entre celle de Lucifer et celle de Décou-Décou, qui est la plus grande réserve biologique française, qu'est proposé ce projet aurifère. Parce que l'objectif est bien là de retirer 85 tonnes d'or de cette forêt, alors que nous sommes en plein au cœur d'un vivier de biodiversité extraordinaire. Et comme vous le savez, la Guyane, par rapport à la biodiversité française, elle représente environ 50% de ce joyau. Quelle envergure représente une telle installation pour l'extraction aurifère? Donc, la fosse du projet, elle serait située à 400 mètres de cette réserve de Décou-Décou. Cette fosse, elle ferait 2,5 km de long, 400 mètres de profondeur et 500 mètres de large, ce qui représente en superficie à peu près le centre de Cayenne. Les quantités de produits chimiques qui seraient utilisés sont, pareil, complètement effrayantes, de l'ordre de 12 000 tonnes par an, ce qui équivaut, rien que pour le cyanure, à 10 tonnes par jour. 10 tonnes par jour de cyanure, 18 tonnes par jour d'explosifs, et tout un tas d'autres produits chimiques comme le nitrate de plomb, le métabisulfite de sodium, le sulfate de cuivre, etc. Bon, voilà, donc au niveau chimique, c'est énorme. D'ailleurs, l'usine de la Montagne d'Or, elle est classée Seveso seuil haut, avec tous les risques que cela comporte à 120 km de piste de la première ville qui est Saint-Laurent-du-Maroni. Pour extraire toute cette roche de cette fosse, en fait, ce sont des gros camions dont les roues font déjà quasiment 4 mètres de haut, qui feraient 400 allers-retours journaliers pour transporter chacun 200 tonnes de roche, avec des consommations astronomiques de 700 litres de carburant aux 100 km. Donc on voit bien là que le bilan carbone du projet, il est énorme. Et au niveau énergétique? D'un point de vue énergétique, ce projet nécessite une puissance utile de l'ordre de 20 MW, ce qui représente 20% de la consommation d'électricité actuelle de la Guyane. Tout ça, ça contribue à augmenter la production de gaz à effet de serre de la Guyane d'à peu près 50%. Donc c'est vraiment ce qu'on peut appeler un projet climaticide.
À l'heure où on doit réduire nos émissions de gaz à effet de serre, eh bien, ce projet-là, pharaonique, il vient les plomber. Alors, peux-tu nous expliquer par quel procédé l'or est-il extrait? Ce sont 470 000 litres d'eau par heure qui seraient consommés sur ce projet. On se rend donc bien compte que les chiffres annoncés sont faramineux. On a d'ailleurs du mal à s'imaginer ce qu'ils représentent. Pour continuer sur la fosse, ce sont 80 000 tonnes de roches qui seront extraites chaque jour. Au total, en 12 ans, c'est 300 millions de tonnes de déchets miniers qu'il faudra stocker dans des collines ou bien dans un bassin derrière digue de matériaux qui auront été extraits de la fosse. C'est difficile à se l'imaginer, c'est à l'échelle d'un paysage. Les 4 cinquièmes de ces roches extraites sont considérées comme stériles par l'exploitant, puisqu'elles contiennent moins de 1 gramme d'or par tonne de roche. Cela n'intéresse évidemment pas les actionnaires, mais par contre, les chercheurs d'or clandestins qui ne manqueraient pas de rôder autour de cette mine d'or seraient forcément intéressés par les 14 tonnes d'or qui resteront au final dans ces collines de déchets stériles. C'est au final un cinquième des roches extraites qui vont servir pour qu'on puisse récupérer l'or. C'est le procédé de cyanuration qui a été retenu parce qu'il nous explique que ce procédé est le plus rentable. Il permet de récupérer jusqu'à 95% de l'or. Et puis c'est aussi le plus efficace, le moins coûteux, le plus facile à utiliser. Bref, on nous vante les mérites du cyanure. Simplement, c'est avec de la soude qu'il va être neutralisé. Et on sait très bien les effets que ça aura sur le pH de l'eau. Donc on imagine et on voudrait éviter les impacts que ça pourrait avoir sur l'environnement. Dans ce procédé de cyanuration, la roche est broyée très finement. Elle est quasiment réduite à l'état de poudre. Ensuite, elle est mélangée avec du cyanure ainsi que d'autres produits chimiques auxquels on rajoute énormément d'eau. Et puis, c'est dans ce mélange-là que l'or va se dissoudre et qu'on va finalement pouvoir le récupérer. Il restera les boues et ces boues seront stockées derrière une grande digue dans la vallée. Et nous connaissons donc le risque de rupture des digues. Nous avons encore tous en souvenir cette rupture de digue à Brumadinho au Brésil en janvier 2019. Donc on se rappelle très bien de cette énorme coulée de boue, on a vu les images, on les retrouve encore facilement sur Internet, hein, qui a laissé plusieurs centaines de morts et de disparus dans son sillage. Et on sait très bien que une fois que ce genre de catastrophe a eu lieu, après il n'y a que désolation, tout est mort, il n'y a plus de pêche possible. Enfin, l'environnement est complètement dévasté pour des durées de temps qu'on n'imagine pas et c'est intolérable. Parle-nous de la toxicité dégagée par une telle exploitation et les composés chimiques et métaux lourds que l'on peut retrouver. Ce sont 200 000 tonnes des 6 métaux lourds et toxiques principaux qui vont finalement être retenus derrière cette digue avec les déchets à l'intérieur des boues cyanurées. Le risque, c'est donc que ces métaux lourds puissent se répandre dans le milieu, dans le réseau hydrographique, et que cela soit entraîné vers le bassin de la Mana jusqu'à Ouala-Yalimapo, au bord de l'océan Atlantique, et même vers Saint-Laurent-du-Maroni avec les marées. Parmi ces métaux lourds, nous connaissons le chrome, le plomb, le mercure, le cuivre, le barium, mais surtout l'arsenic. C'est 12 500 tonnes d'arsenic en fait qui vont être stockées dans ces boues toxiques. Tout le milieu qui risque d'être contaminé et ça, pas simplement pour quelques décennies, mais ça se compterait carrément en siècles au niveau du drainage minier acide. Qu'est-ce que le drainage minier acide? En fait, dans la roche, à l'état solide, comme elle était dans la fosse avant d'être extraite, elle contenait de nombreux métaux lourds qui, une fois la roche explosée, réduite en farine, vont pouvoir se libérer dans le milieu naturel. Et nous dénonçons donc ce risque-là qui est intrinsèquement lié aux mines en général, où que l'on aille à travers cette planète, toutes les mines engendrent du drainage minier acide. L'exploitant a beau se prévaloir de la mise en place d'une géomembrane, on sait très bien que ces éléments de protection ne seront que provisoires dans le temps, leur durée de vie est forcément limitée.
Or, les Guyanais n'ont pas envie de subir les conséquences de tout cela, ni aujourd'hui, ni demain d'ailleurs. Peux-tu nous faire un état des lieux des discussions avec le gouvernement ces derniers mois et si une sortie de crise est en vue? La ministre par Twitter nous rappelle que le projet ne se ferait pas, ça c'était la veille de la commission des mines. Malgré ça, donc, nous maintenons notre action puisque de toute façon nous n'avons pas confiance dans ces propos puisque on nous répète ça depuis des mois et des mois, mais rien de concret ne se passe en fait. Et au moment où la commission doit commencer, le mercredi matin, le préfet annonce que ce point-là est retiré de l'ordre du jour de la commission. Et il explique qu'en fait, il est nécessaire d'avoir une expertise juridique supplémentaire sur le dossier avant de le remettre à l'ordre du jour. Voilà pour les derniers rebondissements. Depuis ce jour-là, nous ne savons pas trop ce qui se passe, mais en tout cas, de notre côté, c'est clair, le renouvellement de la concession ne doit pas se faire et nous redemandons encore au gouvernement de prendre une décision ferme. Le moratoire sur le cyanure, nous l'attendons de tous nos voeux. Et la question du développement de la filière minière industrielle en Guyane, nous estimons qu'elle doit être posée à l'ensemble de la population, puisque c'est un réel débat de société qui se pose ici. Que veulent les Guyanais? Quel avenir souhaitent-ils pour leur pays? Est-ce que la Guyane n'a pas d'autres alternatives pour son développement que celui de voir une filière minière industrielle défigurer sa forêt et la mettre sous cloche du lobby minier? Il existe le projet de la Montagne d'Or, mais existe-t-il d'autres projets d'extraction sur le territoire? Oui, il y a d'autres projets sur le territoire, malheureusement. 360 000 hectares de forêt impactés par des demandes en cours ou bien des permis attribués, permis d'exploration ou d'exploitation, c'est absolument terrible alors qu'on est à l'heure où il faut préserver notre puits de carbone et vivier de biodiversité extraordinaire et même encore inconnu. C'est terrible ce qui se passe ici puisqu'il y a tellement de permis miniers et de demandes de renouvellement de concessions qui sont déposées que fin décembre 2018, énormément de concessions tombent à échéance, comme ceux de la Montagne d'Or par exemple. Donc des demandes de renouvellement pleuvent, et puis la commission des mines, en fait, elle est constituée de membres qui sont pro-mine ou anti-mine, ce qui est le cas évidemment des associations de défense de l'environnement, mais également des peuples autochtones. Et on se rend compte que la plupart du temps, le nombre de votes qui est à l'encontre de la mine est plutôt défavorable. Voilà, donc la plupart des projets passent et c'est une totale aberration. On a des projets qui sont sortis sur le Kourou, par exemple, d'une mine juste en amont de la station de pompage d'eau potable sur le Kourou, qui alimente une bonne partie des Guyanais en eau. C'est incompréhensible ce qui se passe. Voilà pourquoi le collectif Hors des questions, aujourd'hui, n'est pas simplement le collectif qui dit non à la Montagne d'Or. C'est le collectif qui revient à son slogan de base, opposé à la mégamine industrielle en Guyane. Comment vois-tu l'avenir proche sur ces questions? Sur ces questions, pour l'instant, en fait, ça n'avance pas. On se rend compte également que c'est une question qui touche énormément les peuples autochtones. On l'a vu avec les incendies au Brésil, en Colombie. J'étais à Paris il y a quelques jours où il y a eu une action menée par Extinction Rebellion et Planète Amazon. On a défilé derrière un cortège qui portait la liste des 729 personnes autochtones, défenseurs de l'environnement et de leurs terres, qui ont été assassinées parce qu'ils veulent préserver en fait ces écosystèmes et leur milieu de vie. Et moi, l'avenir, franchement, il est sombre et il faut qu'on soit tous mobilisés, qu'on soit tous prêts à porter notre aspiration d'être humain à vivre sur une planète où la priorité n'est pas le profit, mais la vie. Alors où il est important de s'inscrire dans de nouveaux récits, peux-tu nous raconter celui que tu souhaiterais voir se dessiner pour la Guyane? Oui, je rêve pour la Guyane. Alors la Guyane, elle est vraiment dans une situation sociale terrible. On a vu les mouvements en mars 2017, mais depuis, ça n'a vraiment pas évolué. Chaque semaine, on voit des meurtres en Guyane, il y a une misère terrible, la jeunesse, elle est complètement désœuvrée. Beaucoup s'orientent vers
le transport de drogue, ils sont des mules. Franchement, on rêve d'autre chose pour cette jeunesse. La Guyane, globalement, elle est complètement dépendante de ce qui arrive de l'extérieur. Elle ne produit même pas 20% de ce qu'elle consomme. Ne serait-ce qu'au niveau alimentaire, c'est dramatique. On doit aller vers des territoires résilients avec le réchauffement climatique qui nous tombe dessus. Je rêve que la Guyane se réveille et qu'elle s'empare de son futur, qu'elle offre des perspectives à cette jeunesse. Déjà, l'agriculture, retournons aux racines, retournons à la terre, plantons, plantons, plantons. Et puis pour revenir sur la montagne d'or et la filière minière industrielle, il faut vraiment que la population guyanaise soit consultée sur ce point-là parce que c'est vraiment un projet de société qui est là derrière. Et la condamner à l'industrie minière, c'est faire le choix pour elle et c'est pas le bon choix. Merci beaucoup Claire, merci pour ton militantisme et ta contribution à la protection du vivant. Merci Monsieur Green et merci les auditeurs. Au revoir à tous. Pour conclure, je terminerai par cette citation de Rousseau dans Les rêveries du promeneur solitaire. Le règne minéral n'a rien en soi d'aimable et d'attrayant. Ses richesses enfermées dans le sein de la terre semblent avoir été éloignées des regards des hommes pour ne pas tenter leur cupidité. Elles sont là, comme en réserve pour servir un jour de supplément aux véritables richesses qui sont à sa portée et dont il perd le goût à mesure qu'il se corrompt. Alors il faut qu'il appelle l'industrie, la peine et le travail au secours de ses misères. Il fouille les entrailles de la terre, va chercher dans son centre, au risque de sa vie et aux dépens de sa santé, des biens imaginaires à la place des biens réels qu'elle lui offrait d'elle-même quand il savait en jouir. C'est tout pour aujourd'hui. Excellente semaine à toutes et à tous. C'était Monsieur Green. Fin de la retransmission. Comment c'était? Oh! C'était un pur délire. J'ai trouvé ça. Ouais, Green, oui. Green, comment? Oh, super Green. Green aussi Green que ça peut être. Green, la puissance des Green, tu vois? Mais alors, tu vois le Green absolu. Green, plus Green.